Bonsoir messieurs, dames, et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du roman 1984, écrit par George Orwell et publié en 1949. 1984 est un roman de science-fiction et d'anticipation qui nous plonge dans une dystopie londonienne totalitariste. La science-fiction est un genre narratif qui s'appuie principalement sur les progrès scientifiques et techniques dans un univers parallèle au nôtre, ou alors dans un futur plus ou moins proche. On parle alors d'anticipation. Elle porte un regard critique sur notre société et propose souvent une réflexion sur les problèmes contemporains comme l'écologie, la sociologie, le rôle des médias, la sexualité, les drogues, le rapport au pouvoir, aux nouvelles technologies et à l'histoire. 1984 est un roman qui a inspiré pas mal d'artistes et qui a marqué notre culture, donc si je vous dis Big Brother, même sans avoir lu le bouquin, ça doit forcément vous dire quelque chose. Secret Story, que vous connaissez tous, s'inspire directement de Big Brother et donc du roman de George Orwell. Puisque dans cette émission, les libertés fondamentales et la vie privée des participants sont bafouées par le regard continu de la voix et des téléspectateurs. Bon, passons au moment que vous attendez tous, le résumé du bouquin. Parce que j'imagine que vous avez un contrôle de lecture la semaine prochaine et que vous n'avez toujours pas lu le livre. Vous ne faites vraiment aucun effort. Je précise qu'il existe de nombreuses traductions du bouquin et donc que certains termes comme sociang ou néo-parlé prennent une forme différente selon les éditions. Il y a des éditions qui sont écrites au temps du passé et d'autres au présent. J'ai personnellement choisi de lire la nouvelle version traduite par José Camoun. Donc sans plus attendre, commençons. L'histoire se déroule à Londres en 1984. Le monde est divisé en trois grandes parties, l'Eurasie, l'Estasie et l'Océanie, toutes trois totalitaires dirigées par des partis communistes qui se rêvaient au départ de libérer la population du capitalisme. Le capitalisme est un système économique et social caractérisé par la propriété privée des moyens de production et la liberté de concurrence. Cela entraîne donc une division de la population entre les riches, la classe moyenne et le prolétariat. Entre les années 50 et 60, une révolution et de grandes guerres nucléaires mènent l'Océanie, lieu où se déroule notre histoire, a instauré un régime socialiste constamment en guerre. La population est divisée ici en trois grandes parties, les membres du parti intérieur, les membres du parti extérieur et le prolétariat. Que vous soyez dans le parti extérieur ou prolétaire, la vie est difficile puisque tout est basé sur un système de rationnement où les biens matériels sont en quantité réduite. Il est donc très compliqué de se faire plaisir en mangeant du chocolat, de manger à sa faim, de se procurer des vêtements ou un rasoir. De vivre décemment, quoi. Il est aussi possible de se procurer des biens dans les marchés noirs, mais la quantité limitée de certains biens transforme des banalités en denrées rares. Seuls les membres du parti intérieur jouissent d'une vie plus confortable. Big Brother, le chef du parti Sociang, pour socialisme anglais, surveille tout le monde. Son visage apparaît partout sur les affiches accompagnées du slogan « Big Brother vous regarde », sur les pièces de monnaie, les timbres, les livres, les bannières. Big Brother est une entité que l'on ne rencontre jamais dans le bouquin. Peut-être qu'il n'existe pas. Dans tous les cas, il représente le parti en forme humaine. Dans cet état, rien n'est illégal, puisqu'il n'y a plus de loi. Néanmoins, celui qui agit de manière à déplaire au parti s'expose à la peine de mort, aux travaux forcés, ou encore à disparaître et à voir toute trace de son existence effacée. Le principal opposant de cette dictature est Emmanuel Goldstein. Goldstein est un des acteurs majeurs de la Révolution, qui a lutté contre le capitalisme, mais qui s'est fait trahir par Big Brother, qui voulait le pouvoir à lui seul. L'administration de l'Océanie est gouvernée par quatre ministères. Les ministères de la vérité, de la paix, de l'amour et de l'abondance. Et trois slogans. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Mais tout ça est contradictoire, puisque le ministère de la paix s'occupe de la guerre, le ministère de l'amour s'occupe de la torture, le ministère de la vérité de la propagande et celui de l'abondance de la disette. Toutes ces contradictions ne relèvent pas de l'hypocrisie, mais c'est une application de la double pensée. La double pensée, c'est la capacité à accepter simultanément deux points de vue opposés et ainsi mettre en veilleuse tout esprit critique. C'est aussi une rupture avec le principe de non-contradiction, sur lequel repose toute la science démontrable. Par exemple, si je vous dis que 2 plus 2 égale 5, vous allez me dire « bah non, ça fait 4 ». Mais si je vous dis que Big Brother a dit que 2 plus 2 égale 5, vous serez intimement convaincu que la réponse est 5. Et dans le cas contraire, vous risquez la peine de mort. Dans le roman, nous suivons Winston Smith, un homme de 39 ans, habitant de Londres en Océanie, et un employé du parti extérieur, c'est-à-dire un membre de la caste intermédiaire du régime océanien. Ses parents et sa sœur semblent morts, mais il ne sait plus vraiment puisque ses souvenirs du passé se sont détériorés. Il était marié à Catherine, qui était aliéné par le parti, qui l'a quitté
parce que les deux n'arrivaient pas à concevoir un enfant. Et l'unique but dans cette société qu'une femme et un homme aient des relations sexuelles est de procréer. Le plaisir sexuel et l'amour sont prohibés. Winston travaille pour le parti extérieur au ministère de la Vérité. Son travail consiste à remanier les archives historiques afin de faire correspondre le passé à la version officielle du parti au moment présent. Ainsi, lorsque l'Océanie déclare la guerre à l'Estasie, alors qu'elle était en paix deux jours avant avec cet état, les autres membres du ministère de la Vérité doivent veiller à ce que plus aucune trace écrite n'existe de l'ancienne alliance avec l'Estasie. Toutefois, contrairement à la majeure partie de la population, Winston n'arrive pas à adhérer à cette aliénation collective et donc à adhérer aux mensonges du parti. Il risque donc de se faire traquer par la police de la pensée, que l'on appelle la Mantopolice. Pour se protéger, il dissimule alors ses opinions contestataires aux yeux de ses collègues de travail. Le roman s'ouvre sur le projet d'écriture de Winston. Il désire en effet garder une trace écrite et donc de fixer le passé, en opposition à la propagande de l'Océanie. Il doit faire attention à ne pas se faire remarquer, car tous les appartements des membres du parti sont équipés d'un télécran. Le télécran est un appareil que l'on ne peut pas éteindre. On peut seulement réduire le volume sonore sans pouvoir le mettre en sourdine. Il transmet des informations liées à la guerre, diffuse une émission quotidienne appelée « Les 2 minutes de la haine » qui vise à exciter la haine des membres du parti envers ses opposants, symbolisée par Goldstein. Le télécran diffuse un programme sportif. Les membres doivent effectuer des exercices de sport devant leur télévision. Mais le télécran n'est pas seulement un transmetteur, puisqu'il est équipé de caméras et de micros. Tous les possesseurs sont donc constamment surveillés par Big Brother. Winston écrit alors dans son journal ses idées qui s'opposent au parti, en faisant attention de ne pas être vu ni entendu par le télécran. Il projette alors de combattre le parti. Il enquête en se rendant dans un bar, puis chez un antiquaire, afin de savoir si la vie d'avant était plus supportable, contrairement à ce qu'affirme la propagande de Big Brother. Sans savoir pourquoi, il a l'intuition qu'O'Brien, son collègue de travail, qu'il avait rencontré quelques temps auparavant, partage ses opinions. C'est un peu à son attention qu'il écrit ce journal. Il croit l'avoir entendu dire en rêve « Nous nous rencontrerons là où il n'y a pas de ténèbres ». Une phrase qu'il n'arrive pas à décoder, mais qui le rassure. C'est à travers ce rêve qu'il dévoue toute sa confiance à O'Brien. Winston se rend compte qu'il est suivi par une jeune femme, une brune qui travaille aussi dans le ministère de la Vérité, dans le secteur littéraire. Il prend peur, car il croit que cette dernière est membre de la police de la pensée. Il veut se débarrasser d'elle. Dans la deuxième partie, Winston croise de nouveau la route de la jeune fille aux cheveux noirs. Cette fois-ci, elle le bouscule accidentellement et trébuche. En réalité, elle a laissé traîner un message adressé à Winston avec écrit « Je vous aime ». Le parti est contre l'amour, il est interdit de tomber amoureux. La jeune fille a donc pris un très gros risque pour le contacter. Il s'arrange pour parler avec elle, le plus discrètement possible. Ensemble, ils conviennent d'un rendez-vous secret à la campagne, dans un lieu isolé, loin des télécrans. Cette fille s'appelle Julia. Comme Winston, elle s'oppose à Big Brother et au parti. Les deux couchent ensemble et tombent amoureux. Winston se sent revivre depuis qu'il est l'amant de Julia. Tous les deux développent une réelle complicité. Ils essayent de se retrouver assez régulièrement, tout en faisant attention à ne pas se faire attraper par la Mantopolice. Winston et Julia prennent un énorme risque en louant une chambre au-dessus du magasin de Monsieur Charrington, l'antiquaire, et s'y retrouvent pour partager un peu d'intimité. Les deux amants caressent l'idée d'organiser un mouvement de rébellion contre le parti. Winston fait part à Julia de sa rencontre avec O'Brien. Il est encore plus persuadé qu'O'Brien fait partie d'un complot contre le parti et voudrait se rallier à lui. Finalement, Julia et Winston se décident à franchir le pas. Ils se rendent dans l'appartement d'O'Brien et lui expriment leur volonté de s'engager dans un mouvement de rébellion. L'intuition de Winston était exacte. O'Brien fait partie d'une organisation secrète, la Fraternité. Julia et Winston s'engagent à servir sans discuter la cause d'O'Brien. O'Brien fait parvenir à Winston le livre de Goldstein, le chef de l'organisation. Ce livre interdit révèle la choquante vérité sur le parti et Big Brother. Mais en réalité, Winston n'apprend rien de nouveau. Alors que les deux amants se sentaient en sécurité dans leur cachette, une voix venue du téléécran couvert par un tableau surprend nos protagonistes. L'antiquaire était en fait un membre du parti, il les a dénoncés. Le couple se fait ensuite arrêter. On entre alors dans la troisième et dernière partie. Winston et Julia se retrouvent enfermés au ministère de l'amour, qui n'est autre que l'endroit où les opposants sont torturés puis exécutés. Winston attend son sort. Son seul espoir est d'être sauvé par O'Brien. Enfermé dans une cellule sans fenêtre, ni eau ou nourriture, l'attente est insoutenable, surtout lorsqu'il se retrouve seul. Finalement,
Winston retrouve O'Brien, mais à sa grande surprise, c'est en fait ce dernier qui est responsable de son arrestation. Winston est alors torturé par O'Brien, qui souhaite rectifier sa façon de penser, de l'amener à aimer Big Brother. Winston est réfractaire, certes, il peut mentir, mais il ne peut pas changer son ressenti. La torture s'est arrêtée. Winston est désormais bien traité et se remet petit à petit, mais il lui reste une dernière épreuve à affronter. Winston est amené dans la salle 101, la salle qui renferme le pire cauchemar de chacun. Dans son cas, ce sont les rats. O'Brien fait mettre à Winston un masque relié à une cage. Ce mur de ténèbres, qui lui a paru en rêve, était en fait ses rats. On se rend compte que Winston a sûrement déjà vécu ce moment et qu'il a enfoui cet événement traumatisant dans sa mémoire. Il a dû déjà auparavant s'être rebellé contre le parti et il a ensuite été torturé au ministère de l'amour. Au moment où il est encerclé par des rats, Winston trahit Julia en demandant qu'elle prenne sa place. O'Brien semble enfin satisfait. Dans le dernier chapitre, Winston reprend le cours de sa vie normale, mais il a changé. Désormais, il aime Big Brother. Il n'a plus l'idée de se révolter. Mais au même moment où il est fusillé, il est heureux et apaisé. Winston meurt en fixant des yeux un portrait de Big Brother. Et c'est comme cela que se termine cette histoire. Alors déjà, personnellement, c'est une œuvre que j'ai beaucoup appréciée. C'est divertissant, c'est facile à lire, et en plus de ça, ça nous amène à nous interroger sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure, notamment sur l'aspect social et politique de notre monde actuel. Alors c'est vrai que le roman peut paraître un peu exagéré, mais je trouve que justement, ça permet de nous faire prendre conscience sur certaines choses de notre réalité. Et même actuellement, si on avait narré notre actualité il y a 5, 10, voire 20 ans plus tôt, j'en n'y aurais pas cru, ça aurait été totalement irréaliste. Donc dans un premier temps, je vais vous parler du néo-parler et de la double pensée. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais vous montrer les façons de faire du parti afin d'aliéner la population. Et enfin, nous allons voir le lien que nous pouvons faire entre le bouquin et notre réalité. Newspeak, novlangue ou encore néo-parler, est la langue officielle de l'Océanie. C'est une simplification lexicale et syntaxique de la langue destinée à rendre impossible l'expression des idées potentiellement subversives et à éviter toute formulation de critique de l'État. L'objectif ultime étant d'aller jusqu'à empêcher l'idée même de critiquer le parti. Par exemple, sans le mot « liberté », on ne peut pas prendre conscience de ce qu'est la liberté. L'une des missions du ministère de la Vérité est de réduire le lexique à un minimum de mots. Le vocabulaire est réorganisé en trois classes, A, B et C. Le vocabulaire A ne contient que les termes nécessaires au travail et à la vie quotidienne, manger, boire, travailler, etc. Le sens unique des termes empêche désormais tout usage littéraire, politique ou philosophique. Le vocabulaire B contient les mots composés construits à des fins politiques. Il est formé par des non-verbes et contient une foule de néologismes. Le vocabulaire C est spécialisé, il est entièrement composé par des termes scientifiques et techniques. Dans le néo-parlé, les synonymes et les antonymes, les doubles sens sont expurgés de la langue. Ainsi, le mot mauvais est remplacé par un bon ou non bon qui exprime la négation. Grammaticalement, un mot comme la pensée, qui est issu du verbe penser, n'existe plus car il n'est désormais plus possible de faire basculer un mot dans une autre classe grammaticale. Penser signifie l'action de penser. Ainsi, la notion de penser, cette faculté ayant pour objet de réfléchir, n'existe plus. Outre la suppression des nuances, le néo-parlé est l'incarnation de la double pensée. La double signification des mots posséderait le mérite pour ses créateurs de dispenser de toute pensée spéculative, et donc de tout germe de contestation future, puisque les mots changent de sens selon qu'on désigne un ami du parti ou un ennemi de celui-ci. Il devient évidemment impossible de critiquer un ami du parti, mais aussi de louer un de ses ennemis. Prenons par exemple le mot noir-blanc. Quand il qualifie un ennemi, il exprime son esprit de contradiction avec les faits, de dire que le noir est blanc, mais lorsqu'il qualifie un membre du parti, il exprime la soumission loyale au parti, l'aptitude à croire que le noir est blanc, et plus encore, d'être conscient que le noir est blanc, et d'oublier que cela n'a jamais été le cas, grâce au principe de la double pensée. La double pensée est un système qui fait admettre aux soumis du parti que Big Brother a raison en tout point. Une autre idée du néo-parlé est d'associer deux termes différents en un seul mot, afin que la pensée de l'un soit irrémédiablement associée à la pensée de l'autre. Exemple, crime-sexe, car je vous rappelle qu'en Océanie, le sexe est un crime. Mais le vocabulaire et la double pensée ne sont pas les seules formes de manipulation. Comme vous avez pu le remarquer, Orwell s'est beaucoup inspiré des régimes nazis et communistes. La manipulation passe par les affiches, la mort de l'individualité, la surveillance, le rappel continu que le pays est en guerre et que ses opposants sont détestables,
qu'il faut être fier de sa patrie et aimer Big Brother, et enfin que le passé était pire que le présent. Mais cela demande quelques falsifications des archives. Les enfants sont violents, ils sont préparés à intégrer le parti, prêts à dénoncer leurs parents s'ils advenaient à les entendre critiquer le parti. La notion de famille comme on la connaît aujourd'hui n'existe pas. La guerre n'est pas vraiment une guerre ici. Le but n'est pas de battre l'ennemi, mais de maintenir l'état de guerre. C'est un moyen de tenir en ordre la population, même face aux crises socio-économiques. Si vous avez faim, que vous ne vivez pas décemment, c'est normal car le pays est en guerre. C'est pour cela que de nombreux habitants se réfugient dans l'alcool. Du vin pour les membres du parti intérieur, du gin pour les membres du parti extérieur et de la bière pour les prolétaires. On peut faire un rapprochement de cet état, déjà évidemment avec les régimes totalitaires du XXe siècle, mais aussi avec notre monde actuel. Le roman s'appuie évidemment sur les régimes totalitaires qui ont précédé l'écriture. Orwell dénonce les méthodes de manipulation et l'organisation des régimes nazis et communistes. On retrouve les affiches de propagande, la torture, mais aussi une foi aveugle pour les dirigeants. Le parti pousse aussi la population à se reproduire afin de former de nouveaux espions. Cela peut nous faire penser au programme Lebensborn, une association qui avait pour but d'accélérer le nombre de naissances des Aryens. Le manque de confort et la guerre permanente pousse la population à n'accorder que très peu d'importance à leur individualité. Leur vie ne compte pas. Seule la réussite du parti importe. Bref, Orwell a repris tout un tas d'idées de ces régimes totalitaires afin de créer le sien, le Sociogne. Comme je vous l'ai dit, 1984 est un roman d'anticipation et de science-fiction. Orwell a donc imaginé des technologies qui favorisent le contrôle de la population. Le télécran, qui est un émetteur mais aussi un transmetteur, peut nous faire penser à certains objets que l'on possède aujourd'hui, comme notre téléphone ou encore Google Home. Mais contrairement à l'œuvre d'Orwell, ces objets ne nous sont pas imposés, mais ils répondent aujourd'hui à un certain besoin et il est donc difficile de s'en séparer. Nous sommes donc peut-être écoutés sans qu'on ne le sache. Vous me direz, on rentre limite dans le complotisme, mais 1984 nous amène à nous interroger là-dessus. Si on s'interroge, si on doute de la bienveillance de l'État et des grandes entreprises, est-ce que ça fait de nous des fous ? Depuis 2020, on a connu des événements qui nous ont tous interrogés. On nous a parfois dit tout et son contraire, les bienfaits ou non de porter un masque, et plein de problématiques qui ont été validées puis ensuite contredites sans que l'État ne se remette en question. Le président de la République avait annoncé le 16 mars 2020 que nous étions en guerre contre un virus. Et comme je vous l'ai dit avec 1984, gagner la guerre n'est pas une fin en soi. Elle permet de faire passer la pilule, d'accepter plus facilement que notre condition de vie baisse et qu'il faille faire plus de concessions afin que tout revienne à la normale. Bon, je vais pas m'étaler davantage sur le sujet. YouTube strike les vidéos qui contredisent la pensée populaire, donc les contradicteurs prennent le risque de se faire bannir de la plateforme. Malgré la fin tragique du roman, 1984 nous apprend qu'il est nécessaire de mourir avec ses convictions plutôt que de rester en vie et d'accepter la pensée populaire sans y adhérer. Voilà, c'est ici que cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du bouquin. C'était Rémi. Ciao.